Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle open de boîte en compagnie de... Karine. Et aujourd'hui, tu nous présentes... Kikafé. Qu'est-ce que c'est Kikafé? Alors, c'est un petit jeu où on va demander Kikafé caca dans le salon. D'accord. Un thème très intéressant. Je me tarde de découvrir. Il y a même un poisson. Ça peut être un poisson qui a fait caca dans le salon. Exactement. Ok. Hop, je t'ouvre ça. Donc... On n'a pas vu le de la boîte, dis donc. Tu nous as pas montré. Oh, je suis vilaine. Voilà. Ah, ok. Donc, ça va être des cartes et des petits cacas. Et c'est des petits important. Cacas. C'est pour combien de joueurs? Quel âge? De 3 à 6 joueurs à partir de 6 ans. Ok, ça marche. Donc, on a d'abord des petits cacas. Des petits cacas jaunes. Voilà. Et là, on va dire qui c'est qui a fait caca dans le salon. Ok. Hop. Donc, chaque joueur va avoir 6 cartes représentant sa couleur. Sur les 6 cartes, on va avoir les mêmes animaux pour chaque joueur. Hein. Ok. Hop. Donc le perroquet, l'hamster, le lapin, le poisson, le chat et la tortue. Donc on va choisir un premier joueur qui va dire, avec sa petite carte, c'est pas mon chat qui a fait caca. D'accord. Mais je pense que c'est une tortue. Et là, les autres joueurs vont se dépêcher pour être le premier à donner leur tortue en disant c'est pas ma tortue qui a fait caca. C'est un jeu de rapidité, d'accord. Voilà, jeu d'accord. De rapidité et de mémoire. Il va falloir mémoriser les animaux qui sont déjà sortis ou pas. Ah. Donc là, l'autre joueur va dire bah, c'est pas ma tortue qui a fait caca, c'est un chat. Donc l'autre joueur hop, va dire c'est pas mon chat qui a fait caca. On va continuer comme ça, il va dire mais c'est un autre chat. Donc il va dire non, c'est pas mon chat qui a fait caca. Et là, si l'autre joueur a dit c'est pas mon chat qui a fait caca, mais c'est un autre chat. Tous les chats ont été mis ici. Moi, je n'ai plus de chat. Ce joueur-là n'a plus de chat. Donc dans ce cas-là, ça veut dire que c'était bien son chat qui avait fait caca dans le salon. D'accord. Donc, il ne faut pas être le dernier avec un animal en main et en le posant, parce que sinon, ça veut dire qu'on ment. En gros, c'est pas vrai. Voilà. Faut pas dénoncer un autre animal s'il est plus présent dans la main des joueurs. D'accord. Ok. Donc, c'est assez mignon. À chaque fois qu'on perd, on récolte un petit jeton caca. Dès qu'un joueur a 3 jetons caca, la partie s'arrête et celui qui a le moins de jetons caca a gagné la partie. Eh ben, ça me paraît tout simple et bien expliqué. Super. Tu avais des autres choses à rajouter? Bah, que c'est pas mon perroquet qui a fait caca. Ça marche. Eh ben écoute, merci beaucoup. Donc c'était une présentation de Kikafé, une petite boîte éditée chez Blue Orange. Et bien sur ce, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous. On vous dit à la prochaine et puis ciao. Salut.